Salut à tous et à toutes, c'est HH. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit commentary sur BF3. Donc, ça fait longtemps que je devais faire un commentary, mais en fait, en ce moment, j'ai pas trop le temps. Et on se retrouve donc finalement sur BF3. Donc, là, on est en team deathmatch et là, j'enchaîne quand même pas mal directement. On est en team deathmatch sur la map Kano, si je me souviens bien. Ça fait pas longtemps que j'ai le jeu, hein, ça fait à peine une semaine. Et donc là, je suis équipé d'une M4 et en arme secondaire, je crois que c'est un G17, je crois, si je me souviens bien. Voilà, donc BF3, franchement, il est vraiment super, quoi. Là, ça fait, comme j'ai dit, ça fait une semaine que je l'ai et je m'amuse vraiment bien dessus. Pour le moment, je joue pas encore trop au sniper parce que j'ai pas débloqué celui que je voulais. Voilà, donc là on se retrouve là, c'est plus là, ce commentaire là, ça va être plus du rush quoi, parce que c'est une petite map, voilà. Mais après forcément il y a les maps avec les véhicules et tout ça, c'est vraiment excellent aussi. D'ailleurs je ferai sûrement un commentaire sur une map, voilà, où j'utiliserai des véhicules. C'est vraiment excellent, hein, Battlefield, un niveau ambiance, franchement. Niveau sonore, c'est un truc de dingue quoi, les explosions et tout, on s'y croirait vraiment. Là, je vais faire un petit double kill. C'est un peu bourrin quand même. Là, pourtant, c'est un serveur 32 slots. Hein. Il y a des serveurs de 64. C'est encore pire. Voilà. Ouais, ça fait longtemps, hein, que j'avais fait un commentary, mais en ce moment, je travaille de nuit. Franchement, j'ai beaucoup moins de temps pour jouer. Voilà, mais bon. J'essaie quand même. En ce moment, je squatte pas mal BF3. Hein, parce que je kiffe à mort, il est vraiment kiffant, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, bah sinon, bah j'espère que vous allez tous bien. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais promis un commentary, hein. Ça, c'était pas forcément sur BF3. D'ailleurs, mon prochain commentary, ça sera peut-être en pro mode, en code 4. Et aussi sûrement une vidéo en escouade. Mais pour la vidéo en escouade sur Battlefield 3, en fait, j'aimerais bien avoir 100 likes, hein, pour cette vidéo-là. Donc voilà, je demande pas souvent des likes, hein, franchement c'est pas dans mon habitude, alors que là j'enchaîne 3 mecs. Voilà, c'est pas dans mon habitude de demander des likes, mais voilà, je me dis si je commence à faire des vidéos sur Battlefield 3, j'aimerais bien qu'il y ait du monde qui suive quoi. Voilà, je demande 100 likes pour cette vidéo-là, pour qu'après je fasse une vidéo en escouade. Hein. À savoir qu'il y a un mode de jeu donc en multi. C'est en fait match à mort en escouade, hein, le mode de base en fait c'est dans l'escouade vous êtes 4, donc en fait ça fait 4 équipes de 4, et en fait là avec un pote, tout à l'heure j'ai joué sur un serveur et en fait c'est des escouades de 8, donc en fait vous êtes à 8 contre 8 contre 8 contre 8, et c'est vraiment excellent. Si j'arrive à réunir 8 potes à moi, voilà, faire une vidéo comme ça en escouade, ça pourrait vraiment déchirer. Aussi ajoutez-moi sur le battle log, hein. Vous voyez mon nom en bas à gauche, hein, juste à droite du radar. Ajoutez-moi si vous le voulez, il n'y a pas de problème. Après, même si vous voulez qu'on joue ensemble aussi, il n'y a pas de problème, hein. Pour ceux qui ont BF3, là je le rappelle, on est sur PC, hein. Comme je l'ai dit, j'ai eu un nouveau PC, donc ça me permet de record avec Fraps. Là je record à 60 FPS en haute résolution, franchement c'est plutôt sympa, hein. Ça fait longtemps que voilà, petit coup de couteau là je l'ai pas mal enchaîné, franchement comment c'est trop kiffant les coups de couteau sur Battlefield 3, c'est vrai que c'est trop kiffant. Après quand on se fait cut, c'est vrai que ça fout la haine, mais quand on le fait c'est vraiment kiffant. Voilà, bah après sinon, hein, Battlefield 3, franchement, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il est sorti, hein. Ça fait pas mal de temps, hein, qu'il est sorti quand même. Après sur le multi, pour l'instant j'ai pas trop rencontré de bugs ou quoi. Il y a quelques bugs des fois, mais bon, ça gêne pas forcément. Voilà, je me fais tuer dans le dos, mais bon. En même temps, je commence à camper un petit peu, vite fait quoi. Je ramasse pas mal de sous en escouade là, c'est sympa. Voilà, sinon cette map là, hein, elle est, je vois pas mal de serveurs, hein, qui tournent sur cette map là. Ouais, franchement, comme j'ai dit, c'est une map de rush, hein, je me vois pas trop jouer au sniper quoi, à part camper au sniper, ouais. Il y a quelques endroits sur cette map là, mais bon. Je
préfère, enfin, je trouve ça plus fun de rusher avec ma M4, un petit classique quoi. voilà, bah sinon quoi de neuf, bah écoutez, tout va bien, hein, j'espère que vous aussi. Voilà, comme j'ai dit, ajoutez-moi sur le Battlelog pour qu'on joue ensemble, y a pas de problème. Ah là, je voulais le cut, là j'ai pas réussi. Des fois, ouais, c'est vrai que les spawns quand même, les respawns, pardon, sont vraiment pas terribles, hein. Des fois en respawn, on a un ennemi juste en face. Y a un truc aussi qui est chiant, c'est quand quand ceux de votre escouade ou de votre team, avec le défibrillateur, ils vous respawn, alors qu'il y a des ennemis encore en face, donc ça vous compte deux ou trois morts, donc ça c'est un peu con des fois. En fait, faut savoir respawn son coéquipier au bon moment, quoi, parce que sinon ça sert à rien. Et voilà quoi, ça c'était ma petite histoire. C'était ma petite histoire, donc bah là je continue, hein, j'enchaîne un petit peu les kills. Dans cette partie-là, il n'y a pas eu trop de campeurs, hein, parce que des fois il y a quand même pas mal de campeurs au snipe, mais dans cette partie-là, ça a été. C'était plutôt sympathique. Alors là, ouais, c'est vrai que c'est assez rapide, hein, là, comme gameplay, c'est. J'avais pas vu. Après, je vais me soigner. Des fois, c'est chaud, on tire sur ses coéquipiers, mais ça va, je suis pas en hardcore pour le moment. Pour le moment, j'ai joué une fois en hardcore, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Les ennemis meurent vraiment beaucoup plus rapidement. Après, je pense que j'irai en hardcore quand vraiment j'aurai augmenté mon grade, etc. Parce que là, je suis au grade 30 par là. Donc c'est pas vraiment énorme, hein. Après, il y a un truc qui est pas mal sur le Battlelog, c'est quand vous avez pas mal d'amis, il y a les classements et tout ça. Ça, je trouve ça plutôt sympathique, quoi. C'est sympa toujours de voir un classement entre amis. C'est toujours sympa, alors que là, j'ai fait n'importe quoi. voilà, bah sinon, on va parler de quoi? Bah, ma prochaine vidéo, hein, comme j'ai dit, si j'ai les 100 likes, hein, ce sera une vidéo en escouade. Donc, ce sera la semaine prochaine, je pense. Ou alors, si vraiment j'ai 100 likes rapidement, ça pourrait être demain. Je pourrais la faire aujourd'hui. Mais bon, après, faut voir. Ça m'étonnerait que j'ai 100 likes aussi rapidement, franchement. Ça m'étonnerait. Mais bon, on sait jamais. Voilà. Puis sûrement une vidéo aussi en public. Voilà, code 4 pro mode, hein, commentary. Comme d'hab. Donc, voilà. Donc, après, ouais, sûrement aussi peut-être un mini clip. En match code 4, hein, comme d'hab, ça changera pas de toute façon. Après là, vu que j'ai un nouveau PC, je vais pouvoir quand même tester pas mal de nouveaux jeux, etc. que avant je pouvais pas trop record avec Fraps, donc ça va être plutôt sympa. Et aussi par la suite, je vais sûrement acheter une carte d'acquisition pour pouvoir record donc les consoles aussi. Donc je pense que par la suite ça sera plutôt sympa. Donc en fait avant je pouvais record, j'avais un truc mais je l'ai revendu en fait. Je pouvais pas record en HD, là celui que je vais acheter je pourrais record en HD aussi les consoles. Donc ça sera sympa, mais bon la plupart de mes commentaires ou de mes lives ça sera toujours sur PC. Parce que à la base, enfin voilà, je reste toujours sur le PC, hein, c'est ma plateforme de base on va dire. voilà. Bah en tout cas j'espère que vous aurez apprécié ce petit commentary, hein, voilà, j'ai décidé de faire un petit commentary un peu plus long que d'habitude, hein, je me suis dit 10 minutes. 10 minutes c'est bon. Mais là apparemment je sais pas pourquoi sur mon compte là avant je pouvais pas, maintenant ils m'ont dit que là je pouvais mettre des vidéos de plus de 15 minutes sur mon compte, alors qu'avant je pouvais pas, j'étais bloqué. Donc je sais pas pourquoi. Maintenant je peux, donc ça c'est plutôt bien, je vais pouvoir mettre des vidéos de plus de 15 minutes. Donc voilà, j'ai fini à 51-20, donc plutôt pas mal, on a gagné la partie. Je crois que c'était à 400 tickets, donc c'est plutôt rapide, hein, c'est plutôt sympa. Alors je suis au grade 32. Donc voilà, bah c'était HH et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, commentaire, une nouvelle vidéo en escouade, n'oubliez pas, 100 likes, allez ciao, à bientôt, bye!